Les fake news, les infox sur le coronavirus se répandent plus vite que le virus lui-même. Cela va des recettes miracles pour se soigner ou se protéger du virus aux fausses vidéos plus virales que le virus lui-même. Pierre Hamdi, de la rédaction des Observateurs de France 24, nous donne un exemple. Ça se passe à Dakar, au Sénégal. Je ne vois plus les statuts, je ne lis plus les messages, comme si c'était entendu. Pas tout ce n'est que des bad news, de l'énergie négative. Y'a que ça qu'on échange, c'est bon, j'ai déjà compris que la situation est grave. Pas des fake news, pas des fake news, ces gens s'amusent à s'aimer la panique et le doute. Pas des fake news, pas des fake news, quand les uns souffrent, d'autres viennent appuyer le clou. Pas des fake news, pas des fake news, ces gens s'amusent à s'aimer la panique et le doute. Pas des fake news, pas des fake news, quand les uns souffrent, d'autres viennent appuyer le clou. Non, ne tombe pas dans ça, la télé est là, on dispose de temps, on a la ressource à plus rare. Cause au fond, toi t'as toujours voulu faire quoi? Tu disposes de temps, il ne sera pas toujours là. Tu veux beau changer la couche, les dessins, la pauvre. Les tutos gratuits sur YouTube, Google, il y en a. Vas-y, lance-toi, ne gâche pas tout ton temps et tes méga ah. Regardez tous les statuts, partagez les mêmes messages, il fait des comptes rendus. Dès qu'il y a un cas, tu postes, donnez que du négatif. Les corps froissés, les visages, c'est bon, on a tous compris que la situation est grave. Une vidéo qui peut faire froid dans le dos, hein. La légende sur Facebook, c'est tout simplement « Urgent coronavirus ». Tout est réuni pour faire croire à un véritable scénario catastrophe lié à l'épidémie. Pas étonnant que la vidéo ait été vue plus de 80 000 fois en 48 heures. Sauf que là encore, il s'agit d'une vidéo détournée, hein, en partant à la recherche de ces images. On a pu retrouver le contexte d'origine de cette vidéo. Regardez, il s'agissait en fait d'un exercice de sécurité, une simulation de prise d'otage qui a eu lieu en novembre 2019. Inquiété pour récolter du clic.